Chérie, je peux pas croire qu'on peut enfin être ensemble. Je t'aime tellement. Surprise. Alice, suis rentrée. Je t'ai manqué. Oh non, c'est Jack. Bon, tu dois te cacher. Chérie, où t'es? Oh, qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas, Tyler, ça va aller. Fais juste pas de bruit. Oh, je m'attendais pas à ce que tu reviennes si vite. On dirait bien que mon voyage d'affaires s'est terminé plus vite que prévu. Alors, si on se faisait un bon petit dîner romantique? Phew, on a failli se faire prendre. On devrait se revoir une autre fois, Tyler. J'arrive pas à croire à quel point cet imbécile est naïf. Oh, le bébé va bientôt naître. Il faut agir vite. Oh, qu'est-ce qu'il prend en tant de temps? Tout va bien là-bas. Félicitations, c'est une petite fille en bonne santé. Dis-lui bonjour, papa. C'est ta fille. Bonjour, Émilie. Oh, elle est pas merveilleuse. Me revoilà. Oh, chérie, on est parents maintenant. Désolée, mais je dois vraiment m'occuper de moi, là, maintenant. Oh, elle m'agace. Fais quelque chose. Viens par ici, Émilie. Papa est là pour toi. Je serai la plus belle de maman. Chérie, t'inquiète pas, Émilie, tout va bien se passer. Une bonne séance de shopping devrait me remonter le moral. J'en ai marre de tous ces jouets. C'est la zone réservée à maman ici, d'accord? Prends soin de moi, c'est très important après tout. Je suis là, Émilie, pleure pas. Hein? Quelque chose ne va pas. Allez, calme-toi, on va aller chercher maman. Chérie, Émilie pleure encore. Bah alors, occupe-toi d'elle. T'as qu'à la calmer, Jack. Je suis très occupée en ce moment. Oui, chérie, bien sûr. Oh, les enfants ne font que causer des ennuis. Hé, Tyler, on pourrait se voir bientôt? Je crois savoir quoi faire maintenant. T'as faim, pas vrai, chérie? Vas-y, régale-toi. Oh, c'est qui la plus mignonne? Oh. Toi, mais quand tu fais pas ça? Allez, on va te changer. T'es prête? T'inquiète pas, ça va le faire. Hé, hey, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va te mettre au lit. Fais de beaux rêves, Émilie. Oh, Tyler, j'ai tellement hâte de te revoir. Oh oh, me dites pas que j'ai dormi trop longtemps. C'est vrai que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je me demande quel genre de cadeau je vais avoir. Je dois être la plus belle pour la fête. Hé, hey, maman, tu te rappelles quel jour on est? C'est la journée shopping? Non, c'est mon anniversaire, maman. Oh oui, c'est vrai. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi, du coup. C'est une brosse? Bah ouais, c'est super pratique, non? Oh maman, je peux pas croire que t'aies oublié. C'est toujours pareil avec toi. Joyeux anniversaire, Émilie. T'es prête pour ta fête? Oh papa, tu t'en es souvenu? Tiens chérie. Une toute nouvelle tablette? C'est exactement ce que je voulais. Je savais que ça te plairait. Et maintenant, on va prendre une petite photo souvenir. Merci papa, t'es le meilleur. Oh mais on n'a pas encore fini de faire la fête. Oh, j'y crois pas. T'as pas oublié comment on tape une piñata, hein? Vas-y chérie. Je peux le faire. Presque. Encore. Wouhou, j'ai réussi. Oh Émilie, t'es géniale. Je t'aime tellement, papa. C'était le meilleur anniversaire de ma vie. Oublie pas notre date ce soir, chérie. J'ai trop hâte qu'on se voit. Oh, ma chérie, un avenir brillant t'attend, tu sais. Mais on dirait que mon patron a besoin de mon aide. T'inquiète pas, je reviens vite. Tu vas beaucoup me manquer, papa. À plus tard, chérie. Reviens vite, s'il te plaît, d'accord? Super, Tyler, j'espère que tu es prêt à commencer notre nouvelle vie à Toca Boca. Hein? C'est qui, Tyler? Et nous, alors? Il faut que je comprenne ce qui se passe. Je ne dois pas perdre de temps. Je vais faire mes valises. C'est bon, j'ai rien oublié, je crois. Oh non, c'est horrible! Mais qu'est-ce que tu manigances, maman?
Allez, je suis prête pour mon voyage. J'arrive, Tyler. Pitié, faites que ce soit pas ce que je pense. J'espère vraiment pas être en retard. Maman, attends. Oh, j'ai vraiment pas le temps de jouer de la musique maintenant. Désolée, c'est pas ce que je voulais faire. Eh bien, Avatar World, c'est un adieu. Oh non, c'est exactement ce que je pensais. On dirait que je suis arrivée. Alors, de quoi j'ai l'air? Pas mal, non? Hello. Te voilà, chérie. Oh, Tyler, tu m'as tellement manqué. Pourquoi je te ferais pas visiter la ville? On peut commencer par faire un dîner romantique. Ça me plaît déjà. Plus rien ne se mettra entre nous. Il faut absolument que j'en parle à papa. Très bien, ouvrez vos cahiers et... Désolée, je dois prendre cet appel. Qu'est-ce qui se passe, Emily? Papa, tu dois te dépêcher de rentrer à la maison. Je suis très occupée en ce moment, ma chérie. On en parlera ce soir. Bon, continuons. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et qu'est-ce que tu manigances, maman? Oh, c'est la meilleure soirée de toute ma vie. Oh, oh, quelqu'un m'appelle. Oh, c'est Emily. Je suis très occupée. M'appelle plus jamais, t'entends? Qui c'était, chérie? Oh, personne d'important. Ok, bon, continuons notre petite soirée. Comment t'as pu nous faire ça, maman? Bon, très bien. Je m'en vais aussi, alors. Allez, maman, s'il te plaît, décroche. Tiens, chérie, c'est pour toi. Quoi? Encore? T'es vraiment insupportable, Emily. Bon, où on en était, mon amour? On allait justement passer au meilleur moment de la journée. Je vais découvrir ce qu'il se passe. Cet endroit est plutôt chouette. Qu'est-ce que t'aimerais, Miss? Un fameux cupcake de Toca Boca, s'il te plaît. Bon appétit. Tiens, ton gâteau. Maintenant, au travail. Maman, je t'ai enfin trouvé. Maman! Maman! Hein? Oh, c'est pas croyable! Emily, qu'est-ce que tu fais là? Oh, maman, comment t'as pu être si méchante? On dirait qu'on s'est fait prendre. Emily, attends! Tu nous as trahis tous les deux, maman! S'il te plaît, papa, j'ai vraiment besoin de toi maintenant! D'abord, on additionne, puis on soustrait, et ensuite... Oups, désolé, ça prendra qu'un instant. Emily, ma chérie, je suis un peu occupée en ce moment. Quoi? À Toca Boca? J'arrive tout de suite. Désolé les enfants, on va devoir terminer la leçon plus tôt que prévu. Eh bien, ça te long voyage. T'inquiète pas, Emily, j'arrive. Bon alors, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est maman! Elle te trompe! Quoi? Mais c'est terrible! Jack, mais t'es là aussi? Oh, Alice, je t'aimais tellement! Mais moi, je t'ai jamais aimée! Il n'y a plus rien pour nous ici, papa! J'imagine que c'est un adieu, maman! Oui, et j'espère plus jamais vous revoir! On peut enfin être ensemble, mon amour! Alice, tu viens d'abandonner ta propre fille! Je pense pas pouvoir rester avec toi après ça! Quoi? Où tu vas? S'il te plaît, Tyler, je t'aime tellement! Excusez-moi, Miss, est-ce que ça va? C'est une belle journée pour se promener, pas vrai? Sale loseuse! Direction Avatar World. Avatar World. Waouh! Oh, cet endroit est trop mignon. Moi aussi, je veux faire des photos. Cheese. Je me demande ce que ça a donné. Oh, t'es trop moche. Les loseuses comme toi ont rien à faire ici. Waouh, il y a tellement de trucs là-bas. J'aimerais bien faire du shopping aussi. Regardez là, tout le monde. C'est trop joli. Moi aussi, je veux ressembler à ça.
Je vais vite essayer tout ça, alors. Alors, de quoi j'ai l'air? Hé, hey, ça t'appartient pas, Miss. Désolée, je voulais juste les essayer. Allez, sors de mon magasin. Oh, tu seras jamais jolie. Ça sert même à rien d'essayer. Pourquoi tout le monde est si méchant avec moi? Oh, je connais la réponse, Miss Pinky. Alors, viens au tableau, Annie. Bien sûr. D'abord, on soustrait, puis on additionne, et enfin, on divise par zéro. Bon travail, Annie. Tu mérites un A. Ah, quel intello! Tu ferais mieux de changer d'école, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des pâtes, c'est ce que je préfère. Ah, bouge de là. Oh, j'arrive pas à croire à quel point t'es minable. Cette place est libre. Oh, c'est trop bon. Eh, oh, t'approches pas de moi. Cette journée a été horrible. Mais je suis sûre que demain sera mieux. Bonjour tout le monde. Je ferais mieux de me dépêcher un peu. Eww, Fluffy, pourquoi t'as fait ça? T'inquiète pas, je vais nettoyer. Maintenant, je vais me coiffer. J'ajoute un peu de parfum. Et bien sûr, je vais afficher un sourire éclatant. Oh, je crois que je suis fauchée. Bon bah, il est temps de chercher un travail. Je suis sûre que c'est pas si difficile. Salut, tu cherches une assistante? Non. Désolée, Miss, mais ça va pas le faire. Bonjour. T'aurais un travail pour moi? Oh, sors d'ici, petite fille. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Miss, tu penses pouvoir m'embaucher? Eh bien, on cherche en effet une femme de ménage. Oh, c'est tout à fait dans mes cordes. Tu vois, c'est impeccable. T'es là toute seule, l'ami? Dans ce cas, je pense que tu diras pas non à ça. Oh, tu me sauves la vie. Salut les gars. Allez, donne-nous ton argent. Non, tout sauf ça. Maintenant, va-t'en d'ici, Minus. Et t'as plus intérêt de rôder dans les parages. Ouh, c'est vraiment terrible. Allez, aujourd'hui sera différent, c'est sûr. Je vais commencer par faire un bon petit déjeuner. Des œufs, c'est délicieux et bon pour la santé. On ne doit pas oublier le lait non plus. C'est trop bon. Tiens, et si je faisais un vide-grenier? C'est parti. Je vais me faire de l'argent en vendant des choses dont j'ai plus besoin. Approchez, vide-grenier par ici. Tout doit partir. Oh, j'adore la musique. Je vais acheter ça. J'étais justement à la recherche d'un ordi. Hé, j'ai toujours voulu un robot aspirateur. Wow. Quelle bonne trouvaille. Ce vide-grenier a marché du tonnerre. Les rêves finissent par se réaliser finalement. J'ai l'impression d'avoir pris un nouveau départ dans la vie. Quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il faut que je fasse des recherches sur cette maladie. Ça dit rien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je crois que je vais devoir aller à l'hôpital. Je reviendrai vite, Fluffy. S'il te plaît, docteur, dis-moi ce qui m'est arrivé. J'ai jamais rien vu de tel. C'est un cas très mystérieux. Bon, voyons voir. T'as un poids moyen. Ta température est bonne aussi. Et ton rythme cardiaque est aussi normal. Je crains de rien pouvoir t'apprendre de plus. C'est pas grave, docteur. T'as fait ce que t'as pu. En fait, je crois que ça me plaît plutôt bien, ces changements. Je ressemble un peu à une super-héroïne. Je vais prendre tout ça. Merci pour ta fidélité, jeune fille. Merci et à bientôt. On ne bouge plus. Je t'ai pris la main dans le sac. Donne-moi cet argent. Il t'appartient pas. On est vraiment désolés. On volera plus jamais. Ah, cette école avait vraiment besoin d'une héroïne. Je vais m'en prendre à tous les méchants maintenant. Mais pas maintenant. Oh, plutôt demain. Salut tout le monde, je vous ai manqué? Waouh, c'est Annie. Tiens, qui on a donc là? Oh, c'est incroyable. Les tyrans feraient mieux de se méfier maintenant. 1, 2,
Hey, ça va être trop cool. Oh, oh. T'es nul au foot, tu sais. On dirait que quelqu'un a besoin d'aide par ici. La récré est finie, mon pote. Oh, ça va, c'était qu'une blague. C'était incroyable. Merci de m'avoir aidé. Je fais que mon travail. Attrape. Allez, je t'ai dit, attrape. C'est quoi ce chien inutile? Comment tu peux traiter ton animal comme ça? Ce chien mérite un meilleur propriétaire. Je ferais mieux de partir d'ici. T'inquiète pas, mon petit gars. Tout va bien maintenant. Tu veux rentrer à la maison avec moi? Tu vas te plaire ici. Allez, à bientôt. Phew, c'est dur d'être une héroïne. Wow, qui c'est cette fille? Salut, je suis Chat Noir. Salut, moi, c'est Ladybug. T'es tellement... Pourquoi on sortirait pas ensemble? Tu vas adorer l'endroit que je vais te montrer. Et si on faisait un pique-nique dans la nature? On y est presque. Accroche-toi bien. Hé, hey, attends-moi. Vas-y, installe-toi bien. Quelle belle soirée, pas vrai? Avec un peu de musique, ce sera encore mieux. C'est super. Waouh! Regarde comme le ciel est beau ce soir. Je pense qu'on est tout simplement fait l'un pour l'autre. Aujourd'hui, c'est un jour très important. Je dois me dépêcher. Ouais, celle-ci est parfaite. Je vais acheter cette bague totalement héroïque. J'espère que ça plaira à Ladybug. Bonjour, chérie. Dis-moi, veux-tu m'épouser? Oh oui, on restera ensemble pour toujours. J'ai trop dormi. Alors, c'est quoi l'emploi du temps aujourd'hui? D'abord, je vais me brosser les dents. Ensuite, je vais me coiffer. Oups, et encore une chose. C'est bon, je dois pas oublier de me laver les mains. Il faut bien que je sois propre après tout. Et maintenant, à la douche. Qu'est-ce que ma Cindy aimerait pour le petit déjeuner? Oh, pourquoi pas un œuf au plat et une tranche de tomate pour que ce soit équilibré. Tu dois avoir faim toi aussi, pas vrai Fluffy? Quel gentil minou. J'arrive maman. Ah oui. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim. Régale-toi ma chérie. Mieux tu mangeras, mieux tu réussiras à l'école. C'était trop bon. Merci, maman. Oh. Allez, essaie de pas être en retard à l'école aujourd'hui. Ça va, tu sais que je suis jamais en retard. Maths, biologie, chimie. J'ai tout pris. Alors, où est mon uniforme? À ce soir, maman. Ah, je suis enfin arrivée à l'école. Regardez ses cheveux et cette robe horrible. T'es vraiment minable, Cindy. Ah, vous recommencez à m'embêter. Pourquoi les gens n'arrêtent pas de se moquer de moi? Très bien, on va commencer la leçon. Aujourd'hui, vous allez passer un test. Allez-y, faites de votre mieux. Ah, je déteste tellement les maths. C'est trop pastache. J'ai terminé, Miss Penny. Bravo, Cindy. Je te mets un A+. Tu peux rentrer chez toi si tu veux. Quant à toi, Camille, tu devras rester après les cours. Hé, hey, où tu vas comme ça, loseuse? J'ai ma leçon de piano aujourd'hui. Ah, te voilà, Cindy. Vas-y, montre-moi ce que t'as appris jusqu'à présent. Wow. Oh, c'est merveilleux.
T'es un génie de la musique. Un bel avenir t'attend, ma chérie. Allez, on se voit la semaine prochaine. Bonsoir, ma chérie. Ah, la journée a été vraiment épuisante. Je vais préparer le repas. On va manger de délicieuses pâtes aux légumes ce soir. Tu vas adorer. Mon petit génie mérite ce qu'il y a de meilleur. Miam, c'est trop bon. Ouf, je suis tellement fatiguée après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Oh là là, quelle heure il est? Ah, Fluffy, comment t'as pu faire ça? T'es un vilain chat. Aujourd'hui, c'est le dernier jour avant les vacances. Il faut que je me fasse belle. Ah, vu la tête que j'ai, je crois que c'est peine perdue. Je vais à l'école, maman. Aujourd'hui, on va récompenser la meilleure élève de notre école. Et il s'agit de Cindy. Oh. Félicitations, voilà ton prix bien mérité. Quoi? Ah, mais elle est tellement moche. Va donc faire l'intello dans une autre école, Cindy. Pourquoi tu es si méchante avec moi? Jeune fille, ce comportement est inacceptable. Je devrais rentrer à la maison maintenant. Maman, j'ai reçu le trophée de la meilleure élève de l'école. Wow. Félicitations, ma chérie. J'ai toujours su que t'étais un génie. Et voilà, Fluffy, maintenant, on a tout l'été rien que pour nous. Oh, je vais t'aider, maman. T'es une fille tellement serviable, ma chérie. Oups. Oups, je suis vraiment maladroite aujourd'hui. Désolée, maman. Hein? C'est un sac à dos. Et une carte. Mais pourquoi faire? Ah. Oh, c'est vrai. J'ai complètement oublié de te dire. Je t'ai inscrite dans une colonie de vacances. Tu devrais te préparer. Tu vas vivre plein d'aventures sympas là-bas. Au revoir, chérie. Amuse-toi bien. Bienvenue dans notre colonie, l'ami. Salut, je m'appelle Cindy. Vas-y, va déballer tes affaires. Oh, j'aime trop cet endroit. Salut, les filles. Vous voulez qu'on soit copines? Ouais, je crois pas vraiment, non. T'as l'air d'être une grosse loseuse. Oh non, est-ce que ça va être comme à l'école? Peut-être que les choses se passeront mieux demain. La pêche, c'est vraiment passionnant. Hé, Cindy, pourquoi tu irais pas te baigner un peu? J'espère que tu sais nager, l'ami. Oh, que quelqu'un m'aide! Aujourd'hui, ça a encore été horrible. Venez, on va donner une autre leçon à Cindy. On va lui faire regretter d'être venue ici. Bon, tout le monde dort. Je vais enfin pouvoir prendre une douche tranquillement. J'en serais pas si sûre, Cindy. On a une surprise pour toi. Oh oh, où sont mes affaires? Je vois rien sans mes lunettes. Au secours, j'ai besoin d'aide. Ah, je les ai trouvés. Vous m'aurez pas si facilement, vous savez. T'inquiète pas, on fait que commencer. Très bien, c'est le moment de lui faire une autre blague. Celle-là devrait te plaire, Cindy. Ok, on n'a plus qu'à attendre. Ah, coucou tout le monde. Hein? Qu'est-ce que c'est? Du dentifrice? Vous avez vraiment dépassé les bornes, les filles. Il va me falloir beaucoup de savon pour me débarrasser de tout ça. J'y suis presque. C'est bon, je suis toute propre. Non, t'es pas encore sortie de l'auberge, espèce de loseuse. Je pense pas pouvoir continuer comme ça. Maman, s'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. Je t'attendrai à la gare, ma chérie. La colonie de vacances, ça craint mort, en fait. Je vais rentrer à la maison. Cindy, goûtez. Allez, on faisait que s'amuser un peu. Tout va bien maintenant, Cindy. Fais pas la tête. Je suis pas d'humeur, maman.
Je vais devoir prendre des mesures drastiques. Je vais changer radicalement de look. C'est bien ici que vous rendez les gens beaux. Ah. Ouais, t'es venu au bon endroit. Assieds-toi là et détends-toi, jeune fille. Je vais m'occuper de toi. Pour commencer, on va te maquiller. Oh. Et aussi, on va se débarrasser de tes lunettes. Voilà, c'est beaucoup mieux. Wow. Je suis trop jolie comme ça. Merci, vous m'avez vraiment beaucoup aidée aujourd'hui. Mais j'ai pas encore terminé. Bonjour, j'aimerais une nouvelle coiffure. On va s'en occuper, ma chérie. Le rose, c'est vraiment à la mode en ce moment. Waouh, c'est magnifique, ma chérie. C'est grâce à toi. Et maintenant, je vais aller faire un peu de shopping. Waouh, il y a tellement de trucs sympas. Je vais tout essayer. Alors, de quoi j'ai l'air? J'adore ce style rose Barbie. Je vais prendre tout ça. Chérie, c'est vraiment toi? Ouais, une page se tourne. Cindy, la loseuse, fait partie du passé maintenant. Je me demande ce qu'ils vont penser de moi à l'école aujourd'hui. Eh bien, voici la toute nouvelle Cindy, tout le monde. Waouh, j'y crois pas. Cindy, t'es vraiment canon aujourd'hui. Merci, je me suis juste refaite une beauté. Après tout, pour être belle, ça demande des efforts aussi.